Ma femme, c'est la ministre de l'organisation. Chérie, elles sont où les couches? Sous la table allongée, à côté des cotons. Elle sait où tout se trouve dans la maison. Chérie, il est où son blouson rose? Accroché derrière sa porte. Je me demande comment elle fait. Ah ouais? Mais c'est quoi tes sources? L'Observatoire des inégalités? Non mais ça existe ça! Les attributions inhérentes à ma fonction sont faire la cuisine, faire les courses, sortir les poubelles. Je suis le ministre du « ferme-la et construis des trucs ». Je pensais leur mettre une petite robe bleue avec... Ok le... mon chéri, va construire l'étagère. On a tout simplement pas les mêmes secteurs d'activité. Moi je suis capable de construire une pergola tout seul, mais je suis pas foutu de plier un body, donc on s'est répartis les rôles. Ouais, mais n'empêche que si j'avais pas monté cette alarme à incendie, on serait peut-être tous morts à l'heure qu'il est. C'est elle qui fait le planning aussi, moi je prends des notes. Alors le 15, tu crois que le type qui a inventé la bière, il s'est dit tiens, il me manque un truc pour regarder le foot? C'est quand même un truc de dingue, la bière. Du coup, je les amène à l'école et chez la nounou. J'ai l'impression que ça l'agace des fois. Chérie, ils sont où les pyjamas? Là, on range les pyjamas! La vérité, c'est qu'on vit dans une société machiste. J'ai l'impression que dans mon foyer, c'est différent, mais en fait, quand je lis les chiffres, et ben je me retrouve dedans. Et le plus dingue, c'est qu'à chaque fois que j'accomplis une tâche, c'est comme si j'avais envie qu'on me remette une médaille, alors que ma femme, elle demande rien, elle fait. Quoi? Non mais attends, c'est complètement injuste, il faut rétablir la balance, comment on peut faire, il faut... Eh oh, ça va, hein? Et puis t'es qui, toi, d'abord? Ah ouais... Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Heureusement que ma femme est là, sinon ce serait le bordel. Mes enfants iraient pas à l'école, ils traîneraient dans la rue, plein de poux, avec des vêtements sales. Mais on aurait une pergola! Et un détecteur de fumée!